Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo qui est différente de ce que je fais normalement. On va faire un genre de let's play slash du gameplay de Hunt Showdown. J'ai recommencé à jouer au jeu, donc on va s'habituer tranquillement pas vite. Je me réhabitue au jeu, à la sensibilité, à ma nouvelle souris. Mais quand même, j'ai gardé d'avoir des bonnes parties aujourd'hui, donc on regarde ça ensemble. Oh fuck man, dude, j'étais chanceux de bouger en même temps là. Oh, je me faisais one tap. Mais d'où ça, tabarnak? Is it another team? Yeah, I think that's two teams. One tap. Bon, pas gang bang, c'est man. Qu'est-ce que ça sera pas nice? Lui, on... Ah, c'est vrai ça, tu peux me scan, man. Là, le gars dans le bac, il est tout seul, selon vous? S'il est tout seul, je revive mon dos. S'il est pas tout seul, je l'en marre. Is he alone in the back? I've killed them. I only saw him. So maybe he's alone. You want to go there? Just to clear the place? Il joue la même shit que moi. What? Back Centennial. Lul. They're not in there anymore. They booked it out south. Yep. Là, je me porte une petite game nomade à soi en élec, là. Sur Cyberpunk. J'hésitais entre les deux. Je me suis dit, bon, faire 2-3 games de Hunt. Ce qui me gosse de Cyberpunk, c'est qu'ils ont pas de nouveau content. On dirait que ça me tente d'attendre encore, genre. Un autre 6 mois. Ben, tu sais, il y a eu des petits cheats, mais comme il était supposé d'avoir une grosse patch, de, un gros DLC, tu sais. They're in prison for some reason.
Let's go there, my friend. On the very south side. On emporte un petit cheval. Un spot de cancer, man, on peut-tu décoller ça dedans? Hit. Marche pas les pieds, esti. No! The fuck? No! Est-ce que je suis bad? One down. Tabarnak. Si ça va être si bas là, je suis un peu dans le monde, je pense. Ah!
What? Voir, ça ouvrait de même. Bon, je t'ai pas tué. Cours! Deux gars, c'est un gars, ça. C'est deux gars, là. Lol. C'est que j'ai eu wreck, man. X-Slide V2, achetez toute cette souris-là. Sorry about that, I'm just playing so worthlessly. Oh, je peux pas penser à ça, for real? No problem. I just came back, it's my second game in like 6 months. Yeah, I'm rusty. I just came back from about the same. And I also changed my mouse, so I'm not like used to it. Ça, c'est un uppercut, ça? Non, c'est un conversion. Je me rappelle même plus, man. If they're not extracting, I will need bullets, man. Fuck that. No bullets over there. Okay, now I'm good. Okie dokie. You want to extract? What is the plan? I'll follow your lead. Ah, oh, bruh. Found poor, man. Thank you.
Not too sure what to do. If they are fighting, maybe it's worth to go there. If not... Soit qu'il y a un gars solo que j'ai vu en arrière. Soit que c'était un bait là. Une petite decoy là. Ah, Steve, va foutu voir mon frère, je vais aller chercher. Ah bah. Un petit hit. C'est un week lancé. Hein? Ouais. Stay there. Hein? Viens-tu de s'ouvrir cette cochonnerie là? Si je vole, ça fait du bruit, hein? Ils doivent plus rester ticanes, hein, eux autres, là.
Fuck le river, je pense. The fuck qu'ils sont deux? Thanks pour le follow, mec. Non! Fuck. Le plus, je pense que je l'ai eu, man. J'aurais pas trop piqué là, man. Aïe. Think, man. Moi, c'est comme des grenades, j'utilise pas ça. C'est parce que des infanteries, c'est comme. C'est un peu compliqué de jouer ensemble, tu sais. Faut comme joindre ensemble, joindre la même team, joindre la même squad. Tu sais, faire une squad, on est comme trop nous pour ça. On sort 35, petite classe. C'est sûr qu'on peut en faire pareil, là, tu sais, une squad juste si on est plein. Là. On va être la squad que tout le monde va chialer dessus, puis ils vont dire qu'on a perdu à cause de ça. Tu sais, il y a des play, des serveurs que tu sais, ils chialent plus sur personne. New player, welcome. C'est ça, faut que tu joignes. Quasiment tous les serveurs, c'est ça. Elle let loose, quand je joins les serveurs, je prends ça parce que. Moi je trouve que c'est pire là, tu joues avec ça pis c'est juste des astinos tout le temps. Le cheval dans notre dos, c'est-tu dans la trame sonore? Je pense que ouais, là, les petits. C'est la canicule en fin de semaine. Tu mènes un congélateur pis tu bouges plus. C'est le temps de jouer à l'ordi, pas d'air climatisé comme moi.
On va être bien. T'as un AC en plus, c'est où ton AC? Non, il est pété. Ça marche plus. Tu regardais si c'était pas juste de la résine et de la poussière, hein, pas du bourrin, ça. C'est même pas une joke en plus. Et le premier problème, ça court-circuite les. J'ai passé la balayeuse dedans, mais ça a rien fait. Tu l'as-tu allumé, là? Peut-être ça buzz. T'as pas d'air clé, moi, t'habites à Rivière du Loup, là. Il fait genre 10. Là. T'as genre de la neige qu'on est dans la canicule. Là. Le gars, il sort sa moto de neige en juillet, là, c'est vrai. Là. Ah! Y'a quelqu'un, je l'hit! J'suis bloqué! Fuck that! Hey, si je mourais parce que j'étais bloqué, j'ai une install là, man. Oh, je l'ai tagué avec ma nade, fuck. C'est peut-être un autre aussi, hein. Oui. En face de moi, juste là, sur le bord du mur. Hit! Il est à droite, René. Mort. Je l'ai tué ici, je suis proche. Il vient de passer, il va peut-être traverser le mur, je vais checker à droite. Au rocher, là, il est seul, techniquement. Ah, si, on peut pas passer par ici. Calice. Il vient de passer derrière le feu. À gauche du feu. Il va peut-être me tuer. Hein, j'étais derrière un mur de briques. Il va réanimer ses chums, apparemment. Mort. Holy shit. Pardon! Oh, il m'a fucking arbalète à travers le barbelé. C'est le gars dans le coin qui était dans le coin. Il t'a arbalé? Y'a un autre gars? Oh, si, je comprends rien, ils ont faim. C'est quoi ça? Zéro l'action, man. Je oh, mais dude! Y'a juste des crises de barbelés partout. Tu du feu, man. Oh non! T'es juste là. Oh! T'es tagué. Tu m'as tellement safe, dude. Oh. Non! Tank, mort! Y'en a-tu un autre? Tu t'es shot? Non, j'ai tiré dans le. Ok, y'a une arbalète, ça doit être le gars qui a tué Garnas, ça? Ah, oh, mais il m'a tué d'où? Je catch pas. On est sûr qu'il y a trois morts, là? Le gars, l'autre, j'ai tué, il était juste dans le coin à gauche. Fait que s'il est encore. Ah, mais il y a plein de cochonneries, dude, man. Plein barbelés, genre. Là, on va faire le tour pour aller réanimer Gorna. C'est des barbelés partout. C'est toi qui n'aide, lui? J'ai mis une chose pour être sûr s'il était pas là. C'est quoi ça? C'est le bruit quand tu te fais choke. Oh, bon, j'ai repris confiance en ce jeu. C'est comme le Rani, c'est tout. T'es en train de fumer un gros bang. Je pensais que Garnus était mort d'une contestinée, genre. J'ai comme entendu exploser, genre. Mais... ce que je me répète, mais je comprends pas comment il a réussi à me pogner tout ce qui était. Je comprends vraiment pas c'est quoi l'angle qu'il y a eu. La seule affaire que je vois de possible, c'est s'il était monté, ses pierres tombales en haut, genre. L'avantage de... là, on l'aurait vu, là, aussi. Ouais. Ouais, mais, man, quand il te shot, on dirait que ça venait de l'extérieur, genre ici, à quelque part, genre, c'était weird. Moi, quand j'ai entendu le shot, là. Pourtant, ça... il me semble que la distance c'était un shit genre plus que. On va plus tourner que 10 tout de suite à l'autre bounty. On peut bien. Comme tu veux. Voilà. Pour répondre à ta question, Creed, quand tu débloques tes FPS, tu réduis ton input lag. Sauf que ça va faire comme. Nelec dit du tearing. Puis le problème de débloquer tes FPS, si t'as un ordi de marde qui a pas des bons thermales, ben. À un moment donné, ça se peut que ton CPU et ton GPU throttle à cause de ça. Puis là, tu vas te mettre à laguer en malade. Tu vas pas comprendre pourquoi. Fait que si ton thermal est correct, tu peux quand même débloquer tes FPS. Quand même.
Ça peut être Word, on pourrait dire. C'est pas une question d'ordinement, c'est que des fois, il y a des jeux, tu roules le genre d'affaires à 300 FPS, ça va aller tout dans le fond. Mais tu sais, il y en a qui ont quand même des laptops pas pires, mais des écrans 60 Hz, tu débloques le FPS, mais sur une période de 3 heures, mon gars, littéralement, à un moment donné, ils deviennent dégueu. Il y a un gars qui m'envoie un print screen, dude. Son GPU est à 96, son CPU 88, je sais là. Ben, j'ai dit d'où tu souffres en jouant, je sais pas quoi dire. C'est mon case, j'ai l'impression qu'il est une petite coche trop petite. Genre le. Mon case, il est fucking chaud. Moi, je vais te dire de quoi là. Je pense qu'il faut qu'il revoie la manière de couler les shit. Tu sais, comme j'ai un des meilleurs cases. J'ai un bon water cool, tu sais, comme maintenant c'est rendu haut les temples là, par rapport à avant. Là. Tu mets ton ordi d'une tente à weed là. J'suis un sous-sol à 18 degrés en plus là. Comme Linus, hein. Tu l'as vu cette vidéo à ta tente à weed? C'est que c'est des canards. Point, point. J'aurais dû changer de gun, pogner un de l'heure. Il y avait de la crap un peu, eux autres, je te dirais. Ouais, ouais mais j'ai. J'ai un level, mais j'ai pas checké que c'était un aperture. C'est quoi ça encore, l'aperture? C'est une cuisine marde. La cuillère avec un tronc de pareil, on aurait ça. Les maisons sont chères à Rivière-du-Loup, je pense pas. Ben oui, là, t'sais, c'est cher pour tout le monde, relativement, mais. C'est cher pour tout le monde. Ça doit pas être Montréal, Laval ou Rive-Sud cher. Hein. Sure, le prix de mon deck pis mes clôtures, je peux m'acheter une maison à Rivière-du-Loup. Le gars il m'a rape dehors, dude! What? C'est quoi le boss? Hein? Par la fenêtre, il m'a garoché son esti de cochonnerie. Ton balcon, pas de plafond, je suis sûr que tu peux acheter le fielder. Le fielder. C'est une rite, là. Ok, dude. C'est ça, cette maison-là, 750. Là. Check ça à Montréal. T'as pas ça en bas de 50 millions. J'aurais pas dit Altam, man, c'est dangereux. Hey, dude. À 750 000, là, t'aimerais voir ce que j'ai, là. J'ai genre du stucco, là, pis du tapis. Genre du brûlard dans la cuisine. Ouais, c'est ça, du cuisine jaune, là. Avec des ananas pour le backslash, là. C'est rip, là. J'en ai très pitié. Ben. Il est mort, là. T'es isolé avec du papier journal, c'est clair, tu sens le journal. C'est mon chummy game. Un peu malaisant, ça. Pourquoi il est en train de faire des TikTok? Ouais, en effet. Non, mais c'est pas, man. Tu sais, c'est genre une fille qui demande à un entrepreneur. Tu sais, après, est-ce que tu pourrais mettre les crochets puis mettre nos lumières en l'air, nanané? Puis là, elle dit, parce que tu sais, moi, c'est compliqué, blablabla. Puis là, il est comme, ouais, ton chum, il va faire ça. Puis là, elle dit, mon chum, il a pas le temps, il game. J'étais genre.
À côté, je m'en vais, bye. J'avais honte, man.